Il tombait deux fois de suite dans le champignon. Dans le même. Comment appelle-t-on les habitants du royaume champignon? Les champignons. Oui, non mais je sais pas, y'a pas de réponse. Les champignonnais. Mais vous n'aurez pas liberté d'aller chier. Aïe. Chaque jour on dépasse le plafond de l'indécence. Le plafond de l'indécence. Je veux dire les bas-fonds en fait, mais... Tu as éteint les étoiles, Florian. Oui. Tu as dépassé le plafond, c'est bon. Je suis l'étoile montante du jeu vidéo. Pouké pouké corail. Ouais. Pour la cape d'eau. Mais qui, y'a personne qui a fait d'eau, y'a que Gérantodus. Y'a le Namiel. Tu veux fabriquer quelque chose? Oui. Peut-être le Pouké Pouké Corail aussi en fait. C'est vrai que c'est de l'eau et que ce n'est pas autre chose. Ah ouais, ouais, hein. Je suis désolé. Mais... Ring of Fire. Oh, j'ai bien pris. Il s'est arrêté net, mais t'as quand même volé. Tu la mets ta quête là? Tu la mets ta merde? Putain, mon casque il s'est encore déconnecté. Alors que je venais de dire, oh, tu la fous ta merde là? Tu la fous? Oui, oui, bah ça je l'ai entendu. Ah. Puis après, j'ai bien entendu que j'entendais plus le jeu. Je me suis dit, nique ta mère, ce sont mes racines chrétiennes. Putain, mais mon casque il me pète les burnes. Bah, c'est pas là qu'il faut le mettre aussi. Très drôle ça. Ouais. C'est vrai que ça se passe en même temps. Casque pour couilles. Que mes couilles entendent de bien. Quand les couilles auront des dents. Dis-moi oui, Ingrid. Dis-moi oui, oui. Janine. Il y aura que toi qui verra. Qui vivra verra. On verra. Sauver notre existence. Sauver notre existence pour refaire un monde sans panneau, pas de panneau. Y'a pas de panneau. Qu'est-ce que vous faites comme quête? Se branle la nuit devant le Velcana et c'est froid. J'ai le qui se tracte. On va y valser là, comme Manuel. Comme Emmanuel. Les grands esprits se rencontrent. Oui. Les meilleures idées. Ah. Aïe. S'effondre. Non. Ah, j'ai vu ça, c'était trop drôle. Adieu. Non. C'était trop drôle. Les amis. C'est la jeune là. Sid, je m'appelle Sid, Yopochop. Je sais même plus ce que c'est, putain. Le paresseux. Paresseux. Le paresseux, ça vit pas dans la neige en fait. Et tu sais qu'il est doublé par Elise Moon. Oui. La passion de Marino. Ouais. Elise Moon, Nicoline, c'était Rachid. Non, je veux pas tomber. Non. Ouf, j'ai réussi à remonter. Adieu. Oh, c'est bon. Attendez. Oh, oh, ça crie sur les ailes. Oh, il va tellement crever. La galinée de Sandré, elle est là. Attention. Avec les tenues de camouflage. Un nouveau monstre. Qui s'appelle Patrick Balkany. Ah ouais, lui c'est un monstre. Chassé de la un Patrick Balkany roublard. Cristalline, c'est mon nom. Cristalline. Ah d'accord, oui. Ah. Je dis vague. 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 Yo. Vague. Wagner. Wagner. Dans 10 secondes, je dis vague. 10! Oh non! Et le chant des cigales me replonge en... Bah non, du coup. Je sais quoi? Du Janal Blizzard. Un dinosaure. Les dinosaures. C'est trop bien, les dinosaures. D'ailleurs, mon dinosaure à moi, il est endormi. Pour ça, vous l'entendez pas.
Actuellement, je vais lancer des bombes tranquilles. Pose des bombes barils autour. Et balance-lui ta lame divine. Oh merde! Tu peux lui bomber la gueule. Non, mais ça fait du bien au tympan des fois, quoi. Là, t'as quand même le talent bouchon d'oreille, sinon. Seulement, il marche dans la vraie vie. Voilà, tu sers à quoi, connard? J'arrive, tu me vois, tu te casses. Moi, j'aime pas les mobs. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de bouffer. Mais animal? Mais il est en train de bouffer un truc qui vole là? Mais c'est quoi cet animal, putain? Non, mais il commence à m'emmerder là! Il se barre! Il a pris son goûter et il se barre! Mais il est en train de bouffer un ptérodactyle! Mais c'est quoi ce bordel? Oh, mais en plus il se barre à perpète, putain! Quel enculé! Et puis le barius il va débarquer aussi! Non, mais ça me casse les couilles! Alors ça, Capcom, c'est les premiers pour. Oh oui, non mais. Par contre, on fait en sorte que le mob il s'endorme plus quand vous êtes à côté de lui dans la zone. Hein. Par contre, ça, qu'il se barre quand il te voit, alors ça, il n'y a pas de problème par contre. Hein. Putain, enculé. Mais il dort? Mais oui, je sais pas pourquoi. Mais il a pété un boulot. C'est pas possible. Crousty pute, qui peut te pute? C'est ça, c'est vraiment rien, moi je suis dans un combo, je peux pas m'arrêter. Ouais, parce que tu joues une arme de merde. T'es tellement méchant. Bah, tu peux travailler dans un combo toi aussi avec une autre arme. Non. Pas d'arme combo. Non. Y'a du vent qui me fait décoller avec la cape du planeur dans cette zone de merde. Voilà, et après ça me critique. Ah merde! Tu critiques mais tu cliques. Bon, challenge, tu ne parles pas pendant 2 minutes. Ok. C'est bon les rages là. Non, c'est chiant en fait. Mais il va le faire quand même parce que je l'ai dit. Je peux parler à sa place hein, si tu veux. Après tout, je suis un Florian. C'est vrai. Tu ressouches. Tu es un autre modèle de Florian. Avec plus de vapeur. Casse-toi. Il a dit casse-toi, il s'est barré, mais à la seconde près, quoi. Ah. Bipou. Comment allez-vous? 9. pourquoi j'ai une impression de déjà vu? Ah, tu l'entends pas, Water, là? Parle pour voir. Non, mais il est pas là. Non, mais il... Ouais, il est aussi... Non, mais j'ai pas... En fait, Kyo, à chaque fois que tu as Discord, ça devrait lancer une chanson du groupe Kyo. Mais ouais, moi cool. J'aimerais trop que sur Discord il y ait des trucs perso, tu vois. Alors, t'arrives, ça fait petit truc. Genre j'arrive et Lucas dit je me casse. Waouh, t'as battu la Wyr. La Wyr éternelle, Josin. Non. Après, j'ai. Si, peut-être. Ah non, c'est 20, pardon, 22, 24. Pardon, excuse-moi, autant pour moi. C'était de la merde. Autant pour moi, tu es nul. Putain. Bientôt 100, hein. Rassurez-vous. Ouais, maintenant qu'on est face à face, on se ressemble sans. Ah, on dirait que les 2 minutes sont passées. Ah putain, c'est vrai, j'ai oublié ce challenge. Je l'avais oublié. En fait, on a The Voice ici. Non, mais ce qui est très marrant, c'est que juste avant que t'arrives, je disais au Legiana, casse-toi, et au même moment, il s'est barré, et toi, t'es arrivé. Ah, mais franchement, il se passe des trucs quand même. Bonjour. C'est bizarre, en effet, il se passe des choses bizarres. Vous savez s'il vient Sco ou pas, Aurélien? Bah, il est Co. Ah, je ne m'entends pas, c'est vrai, pardon. Maintenant, il a réussi à faire un camouflage, je peux même pas voir s'il est dans le sol. En fait, il est sous le divan, c'est pour ça qu'il est pas dans le salon. Il est sous le bureau. Il métamorphose des miettes de pain sur son tapis. Et si on n'entend pas parler, c'est parce qu'il a la bouche pleine, bien sûr. Putain. Oui. Il y a Oscar qui lui mord les couilles. Ah, il se met à. Ah, j'y arrive. Si forcément j'arrive à quelqu'un. Si je mord les couilles par son chien, franchement. C'est sûr, si, c'est sûr. Non, coupe pas les couilles, mais. Non, personne n'est dans le fief. Mais j'arrive à un truc bizarre avec mon chat alors bon. Oula, bah. On veut pas savoir, franchement. Si, je peux le dire, est-ce que je la suis quand même. En fait, il était en train de rêver et puis en fait, il se rend compte que c'est son chat qui lui lèche la bouche le lendemain. Non, mais ça reste tout aussi gênant.
Ouais, je vais aller au bout de l'anecdote, c'est sa première région. En gros, j'étais en train de faire l'amour tranquillement. Pas au chat, évidemment. Hein. Et le chat a l'habitude de venir secouer la couette. Oh. Et donc là, l'affaire va se terminer. Évidemment, quand t'es en mode Ishim, t'es en mode. Tu t'en rappelles plus vraiment, quoi, on va dire. Puis là, le chat est passé sous la couette. Voilà. Et je lui ai retrouvé. C'est, du coup, c'est foutu entre mes deux jambes. Et puis je lui ai dit, tiens, ça sent bizarre par là-bas. Et j'ai fait sa tête contre mon cul au moment où j'étais en train de jouer à l'éternel. Et c'était un moment entre plaisir, gêne et un moment très drôle. Voilà, ça faisait très bizarre. Je regrette pas une seule seconde d'avoir demandé. Quelle aventure. C'est la télé pour ce genre d'anecdote. Hein. Donc, moralité de l'histoire, fermez la porte, c'est le chat à l'extérieur la prochaine fois. Non, rien, mais n'ayez pas de chat tout court. Ouais, mais maintenant c'est un petit peu difficile. Ah oui, oui, là. Bah, heureusement que j'ai que 3 portes chez moi. La porte d'entrée qui est la porte du grenier. Tu mets un sas devant ta chambre. J'ai la porte de la salle de décontamination. Et la porte des chiottes. Tout ça parce que tu lui as pas donné ses croquettes, quoi. Il vient de bouffer. Il s'est vite. Il s'est vite. <du coup. rire> Je crois qu'il y aurait deux fois aussi que le chat nous empêche littéralement de baiser parce qu'il voulait tout le temps avoir des câlins. Et du coup, impossible, même en se déplaçant dans le salon ou autre, le chat il fuyait pour venir me casser les couilles. Putain. Du coup, non, bah, on a. Ah, casser. Ah, mais casse les couilles. Après, ouais, après avoir caressé le cul, il casse les couilles. Maître. Miètre. Miètre, que faites-vous? Maître, j'ai faim, maître. Tu fais comment qui déco ou tout le monde? On pensait que t'étais vexé pour cette place. Bon, pourquoi je serais vexé? N'empêche, quelle histoire. Ouais, t'as vu? Ça, quel plaisir. Chat, quel plaisir. Tu as un peu faire pour empêcher. Hein. Du coup, vous faites quelle quête? Quelle quête? Les jeunes habitants. Ah, mais t'étais avec nous? Oui, mais pas depuis longtemps parce que j'ai vraiment rien remarqué. Quoi. Désolé, mais j'ai vraiment pas remarqué. Tellement dans mon fight, je regarde même pas qui c'est qui est là. C'est vrai, il est trop concentré à faire des combos. Je préfère regarder le monstre que les gens. Oh, en fait. Quand tu m'emmerdes. Dis-moi. Tu cours partout, le mob il te suit. C'est pas ma faute, c'est lui aussi qui court partout. Non, mais lol. C'est vrai qu'en à grande épée, ça fait râler. Attends, mais t'as fait tes stuff arc ou pas? Oui. Bah oui, il râle, mais il a un arc. Et alors? Arrête pas de tourner à droite à gauche. Bah t'as pas besoin de viser, c'est automatique. Oui, c'est automatique. Oh non, oh putain. C'est moi où il nous a dit qu'il réfléchissait entre guillemets, ensuite on a entendu soupirer. C'est une soupirée, non, Nicolas? J'ai peut-être soupiré, oui, c'est possible. On se dit, tu réfléchis après. Ah, j'ai tué. Oh. Ouais, tu réfléchis bizarrement. Ah, il y a un chat. Oh non, merci, il a encore recommencé. Oh non. Je pense qu'il y a des choses qu'il aurait mieux fait pas dire. Bah quoi, j'ai juste. En plus, c'est des poules. Ah oui. Oh non, j'imagine trop la scène. Non, non, qui est dans le lit? Hein. J'avais pensé quel est le point commun entre une femme et une poule. Oh merde! Je sens que celle-là va pas être. Non, je sens que celle-là va être. Va être strike. C'est que les deux te picorent tout ton blé. Et il rit! Donc toi, il est sûr qu'il rigole pas. C'est trop un bon public, Lucas. Tu peux partir la meilleure blague de merde et il va rigoler. Faut jamais t'entendre ça, merci Lucas. Il faut forcément un pote comme ça, ça permet. Vous connaissez ce temps de Schling Schling la. Vous connaissez Schling Schling la. Vous connaissez Schling Schling la girafe? C'est Schling Schling la girafe, après sous un hélicoptère et puis Schling Schling la girafe. Hop là, j'ai eu deux menthes les jeunes. Celle-là, je l'aime trop. Je l'aime trop. C'est comme celle de Bafouchien. C'est la blague. Ouais, mais. Je sais pas.
pas, c'est un peu plus drôle. Ouais, parce que c'est une girafe quoi. Une girafe, merde. Non mais ça, c'est absurde quoi, une girafe sous un hélico. C'est... Après, pourquoi l'hélicoptère atterrit sur une girafe? Bah, pas forcément, c'est genre, je sais pas... Il est un vol stationnaire un peu pas assez haut, et puis la face en dessous, j'en sais rien. J'ai pas le contexte. Oui, mais quelle hauteur faisait la girafe? Quand voilà, je t'ai fait un c'est au moins 20 mètres de haut, une girafe, ça ne fait que 6 mètres. Oui, je vois, oui. De malheureusement, aucun rocher de 12 mètres. Aucun occupant de l'hélico n'a survécu. Vas-y, la mort conne, quoi. Te crache en hélico à cause d'une girafe. C'est Kobe Bryant. Ah non, c'est trop tôt, c'est trop tôt. Pas le droit. Puis comment ça, vous avez été déconnecté de la scission? Et allez, j'ai toujours pas eu de menthe. J'en ai ras le cul. Oulala. Ah, oh non, non, s'il vous plaît, non, on a déjà assez de cul pour genre. Oh non, on a basé le jeu. Attends, laisse-moi dîner. Tu veux l'arc glace? Mais fixez vos serveurs, merde! Courez! C'est vous, c'est sûr. Oh, là, c'est pas moi. T'as trop dit du mal du jeu. Ouais, c'est moi qui en dis vachement du mal. Oh là là. Oh là là. Oh, je suis désolé, t'en as dit vachement du mal du jeu. Comment? Pourquoi tu rigoles? Bah, moi, c'est le jeu, c'est tout. Oui. Ah, c'est pas moi qui dis. Oh là, le mob il se barre, putain. On a amélioré le mob pour pas qu'il dort quand nous est à côté et tout. Et moi, il sait que même si je rage, je l'aime le jeu, parce que je suis là tout le temps. Je pisse dessus. Bah, Lucas, il a souvent aussi. Ouais, enfin. après, je pense qu'il y a différentes manières d'être salé, tu vois. Il y a salé parce que genre t'es trop à fond dans le jeu et du coup ça te chie de pas faire. Là, je suis désolé, c'est honteux de pas faire marcher un putain multijoueur. C'est pareil, sur Rocket League tout à l'heure, ça marchait pas. Sur Rocket League, ça marchait pas tout à l'heure non plus, les serveurs étaient en rade, bah voilà. Non, mais Rocket League aussi, les serveurs sont de la merde. Contre, là, on oui, ça, oui, c'est vrai que... Décalé Catan, décalé Catan, ouais. C'est raciste ça, non? Faux balle. Je sais pas. T'sais, j'ai même pas envie de rigoler. Ouais, c'est que tu dois vraiment pas être bien. Mais j'ai pas arrêté de... On va devoir faire 10 expéditions pour ramasser 3 putains de marques. Là, t'as quoi, là? Allez. Pareil, sans me connecter... Ah oui, après, c'est pas moi qui dis du jeu, là. Tout ça. Salut. Toi, tu rages parce que tu joues mal. Moi, je rage parce qu'il y a des problèmes. Ah, ouais. Semblerait qu'il marque un point. Oui, c'est ça, dites-moi que je joue mal. Ouais, tu joues très 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 mal. On en reparlera quand vous jouerez mieux que moi. Tu joues extrêmement mal. Bah, heure de jeu égale. Après, tout le monde joue mal à un moment donné. Hein. Faut pas non plus... Moi, peu importe le nombre d'heures de jeu, je suis nul. Ah, c'est dit. Mais franchement, je m'en bats les couilles. C'est un jeu. Ah si, oh, j'ai deux marques. Et pas joueur pro, donc on s'en fout. Oh, je ne serai jamais joueur pro, je m'en fous. Bah, en fait, il faut juste que tu obtiennes ce que tu recherches dans le jeu. Tu vois. Si ton objectif, c'est d'être bon et t'arrives à être... Moi, c'est juste Lucas. Hein? Oui, non, voilà. Tu joues pour te détendre, je joue pour te détendre. Voilà. Mais ah. Moi, faut que j'aille vite parce que j'ai pas le temps. Voilà pourquoi je rage. Et moi... Voilà. Le temps, c'est de l'argent. Moi, je tout collectionner. Tu ne m'as pas vu, l'Angenate. Je suis caché dans les fourrés. Tu fais caca. Mais j'en sais plus. Non, je rigole même pas à caca, c'est que vraiment... Je viens de le voir lâcher son mucus. Tu l'appelles comme ça? Si t'as la chance, tu peux bien aller voir la couleur caca. Mais putain, mais oui, c'est bon, là. T'es un jeu, d'ailleurs. Suffit, là. Imagine le mec, il va près de l'herbe et il te fait caca dessus. Genre, il te voit pas. Il... Non, j'ai dit que je rigolais pas. Tu peux pas t'en empêcher. Tu peux pas t'empêcher de rigoler du caca. C'est plus fort que toi. Caca, c'est plus fort que toi. Ah, y'a pas de monstre qui a réapparu, je pense que tu vas avoir un dragon à 5. Ça n'est que le parc à pied, plein de crottes de bec. Et un petit tap de notre qui est passé par là est mort. Pour la débloquer. Oh, j'ai réussi à venir. Oh, ça y est, caca, lol. Bon, du coup, on peut partir maintenant. Ouais, on va rigoler quand je vais me faire des coupes en changement. Le craquage mental. Il y a encore que moi ce jeu-là. Ouais, ouais, Jean-Michel Dab, là. Putain, le changement d'humeur, quoi. Je suis un Dab. Alors, du coup, t'as un truc de merde, t'as pas un Paolo. Oui,
je peux jouer avec mon père. Après, si tu joues la Lunastra, j'ai des quêtes de Lunastra. Tu veux, sur le stock. Non, tu n'as pas d'amis. Fuck les gages à la carte, fuck les gages à la carte. Mais attends, mais je pourrais les jouer comme arme que j'ai jamais joué. C'est un truc enregistré ça ou il y en a un qui prend sa flûte en direct? Non, c'est lui qui prend ma flûte en direct. Le mec, il se trouve que tu te démerdes pas mal en vrai. Hein. Ce qui est une scène, je me suis entraîné 2 minutes et j'ai réussi à le faire. C'est même pas genre j'ai pris 3 heures quoi. et je le retiens. Attends, mais tu l'as vu écrit ou t'as juste entendu non, les notes? Non, c'est juste l'ai entendu. Non, en fait, il entend les notes et je pense qu'il doit savoir quelle note correspond à quoi. Mais, tu sais que c'est un nom. Mais non, je sais pas. Mais même inconsciemment, tu sais. Non, mais c'est un nom. Non, mais l'oreille absolue. Non, j'ai absolument pas l'oreille absolue, c'est pas possible. Je l'ai pas. Je l'ai pas du tout. Mais... Non. Non mais moi, enfin, moi je suis pas, pas capable de dire à quoi ça correspond. Dire, ah, ça c'est un do mineur ça. Non mais après il faudrait que tu l'apprennes. C'est pas par rapport aux notes. Après, ce qui est le plus compliqué, le piano, c'est les accords, surtout ça. Ouais, bon, ça c'est. C'est un peu comme en politique. Oh, putain, ouais, d'accord. Une fois en mode tir spécial. Ah, t'as quitté aussi. Pardon. Il y a moins quand tire spécial, en fait. Ça marche pas. Ah, ouais, ok, c'est barré la base de jeu. Oh bah super. Super. Je l'avais colle. C'est barré. Ouais, c'est barré, mais je pense pas. Je crois que j'ai atteint mes limites. Non, il est redescendu. Ok, je crois qu'il se barrait. Putain, mec, j'ai trop J'ai hâte de voir sur le Charis Velda. C'est trop simple. Mais arrête de dire c'est trop simple, Jean. C'est pas évident. Hein. Tu penses que ce sera dur, Florian? Mais à la fin, Nico, il va pleurer, je pense. Hein. Non, je veux pas pleurer. Est-ce que j'y arriverai? Il donnait autre chose à la place, mais des fois, c'était chiant. Saloperie de Raffinos de cul, là. C'est même pas de Raffinos, c'est... Et Bamboula Rio, c'est là. On dérape. C'est une différence. Petit carnage. Putain, mais il arrête pas. Putain, mais c'est moi, miné, chien. En plus, le gars il se barre en plus. Il m'a croqué, il se barre. C'est qu'un jeu. S'il veut manger le. Regarde, ce bâtard. Ouais, tu peux parler, toi. Il le convient. Oh, y'a un mec un peu plus juste à côté, what the fuck? Y'a eu les gisements géants qui sont apparus, et le gisement géant il a popé à 3 mètres de moi. Ouais, tiens, un mec qui arrive. Un dinosaure. Putain, ça, c'est un vrai dinosaure. Mais j'ai des problèmes aux yeux où. L'icône de mâchoire, en l'icône, dans les petites cases, elles sont différentes. Entre elles? Ouais, t'as un problème aux yeux. J'ai jamais remarqué ça. Non, mais c'est sûr. Non, mais là, t'as un problème aux yeux. Tu veux dire, entre deux. Genre, le dessin, ils sont pas pareils. C'est deux fois le même item, mais les dessins, ils sont pas pareils. Il y a un dragon en 5 qui va pop. Entre quoi et quoi? Mais je vais faire une photo, vous allez voir, je suis pas taré. Tu veux un coup de main pour la basageuse Non, mais il a arrêté là. Oui. Ah, il est parti. Oui. Il est pas très persévérant quand même. Lui, ça va aller vite, je pense que je l'ai pas écouté. Ah, ouais, ils sont ensemble, ça va vite. Hein. 3 morts de ta part dans les 3 minutes, ça va vite. J'ai dû mourir 4-5 fois. Quelle intense. Je rigole. Non mais c'est pas grave. Bah le Belkana c'était ça, quand on l'a pris ensemble il est mort 3 fois. 2 fois. Parce que la 3ème, sinon on aurait perdu. Oui bon, ça va, t'es mort 3 fois quoi. Non, 2 fois. Bah non. Ça sent un peu le sel là, non? Ah non, mais il ment. T'as bien géré ta défense, tout ça, fait les armes en maître et tout. C'est qui le troisième? Question con. Bah ouais. Oui, bah j'ai pris les. Si, votre troisième défense avec. Y'a pas de mystère, j'ai pas de FPS. Il me fait juste ouvrir le. L'action était tellement épique. Était tellement épique. Non, épique, putain, mais. Comme Mystery. Brutiman. À quoi ça ressemble une action épique? C'est vraiment le pire. Spam la queue là, c'est. Je peux faire la blague de vu que c'est une femme elle passe le balai ou non? Quand tu veux. Vas-y. Tu veux, vas-y, okay. On t'enregistre. Oui. Oh, du coup, c'est bon. Rien n'est oublié sur internet. Ça sera envoyé. Dès qu'il y a Jess qui revient, qui. C'est Arc sous Dragon, c'est ça? Ouais, c'est ça.
Mais ah, il est meilleur le Valazak. Il est pas meilleur celui-là. Non, le Valazak est pas meilleur, je crois. J'aime bien le figure long parce que tu peux caisser. Mais... quoi? Mais c'est une blague! Mais Schling Schling la girafe, elle était plus sympa à elle. C'est pas possible. C'est bien quand on fait un mob et qu'on fait que mourir, ça donne envie de continuer à jouer. Putain. Oui. Elle s'est mis comme ça, elle a montré son cul, et puis elle a fait hop là, petit coup de queue comme ça quand tu te relèves. Faut pas... Elle monte ton cul et après un petit coup de queue. Ah, drôle, toi. Oh. Yeah, oh. Je vais avoir deux récompenses. Je sais pas, j'essaie d'imiter Yoshi, je sais pas ce qu'il fait. Ça me fait penser au Pikmin. Putain, j'arrive à peine à mettre une baffe. Mais non, mais. Allez. Le mec il décède mentalement. Ça suffit là. J'arrive à peine. Mais lâche-moi le cul, connard, mais c'est pas vrai! Mais mec! Mais non, mais le Devil Joe, je me suis caché dans une herbe. Il était dans une autre zone. Il est venu, il allait renifler l'herbe et il a vu que j'étais là. Mais putain! Non, mais refais l'attaque! Mais dans Astra, mais elle nous emmerde à un point. Bon, j'ai envie de me mourir. Tiens, tape. Et vous la faites en quoi? En master? Non, mais, oui, oh, mais... non, mais... non, mais là, moi, je... Allo Capcom? Allo? Allo Capcom? Non, oui? Oui, c'est pour dire votre jeu, c'est de la merde. C'est le type de qu'elle nous fait, j'ai failli esquiver la deuxième. Après, il a osé me dire que c'était moi qui rageais. Quand le jeu... Ah, ah. Vas-y, je me remute là. C'est honteux. Mais cette fois volontairement. J'attends quand je te laisse gérer. Bon, mais j'ai envie de me flinguer le cul là. Ça me paraît un peu violent comme fils. Moi aussi, j'ai envie de te flinguer le cul. Oh oui. Beaucoup. Ah. Ah, ça t'a plu? Voilà, mais il se barre à perpète le Garouga. Le Garouga sûr. Le Garouga où t'es? Au secours, nous avons perdu le car. Quel fatigant et fatigué. Il est fatigant et fatigué, c'est pas mal. Non, vous, vous êtes fatigant et fatigué. Vous êtes fatigué. Oh, il est pas fatigué. Si vous êtes fatigué. Oh, il est pas fatigué. Et qu'il est en baillant. Il est pas fatigué. Non, j'ai même pas baillé. Baillé. Bah, ça commence à faire. Baillé. Le baillé. Le baillé. Ah, ça y est. Ah, ça y est, voilà. Ah, tu me donnes envie. Ah, mais tu peux pas. Non, j'ai pas vraiment fait exprès là. Ouais, mange ton mur. Mange tes morts. Mange tes morts. Mange ta lune, Astra. Mmh. Eh, boîte. Eh, putain. Ça y est. Pas l'arc, pardon. J'ai plus de vie, moi, j'ai tout pris le feu. Y'a un truc de huile sur ta gauche. C'était sûr, recommence. Mais tu nous en fais 15. Qu'est-ce qu'il y a? Tellement chiant. Elle a dû nous en faire mais au moins 9, mais vraiment 9. Elle est morte ça ou... Non, toujours pas. Tu es pas mort ça? Si. Je crois que j'ai plutôt galéré contre le UF3. Pot de feu. Ouais, mais je pense qu'en maître, j'ai l'impression qu'en maître, il se fait souvent mauvais. J'ai envie de me foutre un lance-flamme dans le cul. On escalade toujours un peu plus dans la destruction de son anus. Propre cul. Ça va sentir le poil grillé demain. Est-ce que l'étape finale, c'est se faire fichter par Mike Tyson? La destruction de ton propre rectum. Ça y est, les bruits bizarres commencent. Un craquage mental le samedi soir. T'as vu, elle dort profondément. Il y a même des facochères qui s'y mêlent, quoi.
toutes les personnalités de Lucas. Ah, elle est morte. Mais oui, elle est morte, faut pas qu'elle allonge. Mais parce qu'elle est morte, putain. Non. Ouais. J'ai fini de les jeter. Putain, putain. Putain, elle est longue cette soirée. Hein. On sortait un plus que d'autres. Et le temps ne passe pas. Ouais, il est déjà 23h hein, quand même. Le temps est relatif. C'est la relativité. J'ai envie de flinguer le cul. Alors. Y'a quoi maintenant? Y'a plus rien. Y'a plus aucun. Y'a plus rien dans ton cul. Y'a plus aucun mob dans le pied. Vas-y, Valazak. Putain, mais ton cul ressemble à quoi? À rien. Le temps. Y'a plus rien. C'est un chou-fleur. Sur Eman, j'ai plus. Tu t'es annihilé le cul. Ok. Sur tout le monde pète un câble ici. Bah, y'a le mec qui. Okay. Non, ça va. Voilà. Plus que d'habitude. Je suis un babouin. Nicolas, il a trouvé le bon plan. Il s'est dit, allez, là, c'est le moment d'arrêter. Je suis un babouin. Non, là, je préfère jouer à un jeu un peu plus apaisant, Minecraft. Ah, ça c'est bien. Non, c'est pour moi, tu peux pas mourir. Ça dépend. C'est sûr, il dit ça, mais en fait, il aura loot plein de diamants, et il va tomber dans la lave, et il sera en mode. Finalement, est-ce que le purificateur, ça enlève le truc du Valazak? Je suis pas de ce genre. Moi, je mine de façon sécurisée. Ah oui, ça marche bien, oui. J'ai pris un fusil purificateur. J'ai des pouvoirs de 1, de toute façon, y'a aucun mob qui peut spawner. Non, tu es quoi? Tu es alpha ou quoi? Le Fugu, oui, je pense. Et là, je fais une alpha, vie de mineur. C'est la vie que j'ai décidé de mener. D'abuser des mineurs? Je suis perdu! Je suis un grand mineur. Tu aimes abuser des mineurs. Mais je vais où, là? Allo. Sinon on revient au camp 3 et tu prends Pedro la sortie. La sortie de gauche là, c'est un gros saut, mais t'arrives quasiment sur le blaze. Vous déshabille. C'est fabuleux. Ça me rappelle plus la phrase exacte de Code Bendit. Et quand il a vraiment dit ça? Oui. Mais Code Bendit, il y a 40 ans. Non mais il a dit dans le sens qu'on pense ou pas? Oui. Ah oui, non, oui. Oui, Code Bendit, ouais. Il a bien mais dit un et grand homme. Du coup, il est en prison, lui? Non. Et t'as cru quoi? Attends, c'est un homme politique. T'as cru que Michael Jackson, il était allé en prison? Ah oui. Voilà. Ah bah après, il est mort, donc... Oh, oui, qui n'a pas touché un an? un petit noir. Un café, on parle du café, bien sûr, on parle du café, bien sûr. Oui. Arrête. C'est pas vrai. Franchement, qui l'a jamais fait? Touché à des mineurs. Je crois que ma meuf a une narcoleptique. Oh putain. Oula. Oh, j'ai peur. Oula, l'auto est la transition. La transition parfaite. Je peux le faire tomber direct, hein, sinon.